Voilà, on va faire une petite pause. Donc je suis de retour à San Firo. Et on va aller se faire... Ouais, je suis au maximum en graisse en plus, donc ça tombe bien. On dirait pas. Mais ouais, je suis au maximum en graisse visiblement. Et donc on va se faire la leçon de conduite. Sachant que voilà. Hi there, handsome. Can I get your number? Yeah, non, Michel. La voilà la fameuse Michel. Cool, I'll call you. We should hang out sometime. Ok. Donc, on va continuer. Welcome to the advanced driving school. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Donc, pareil, tous les deux missions là, enfin tous les deux trucs, on va aller sauvegarder. Et donc on doit faire, donc voilà, petit 360 degrés, pas très compliqué ça. Voilà. Ça c'est nickel, comme ça on continue. Donc deuxième mission, le... Ah oui, alors ça par contre c'est pas évident. Alors ça normalement faut que j'utilise le frein à main en réalité. Non. Il faut juste que... Ah, j'espère que ce sera juste bon. Oh putain. Bon. Seulement normalement c'est le virage au frein à main. Ah putain, dommage, je virais de plus 52. Ah, allez, on va y arriver. Je vais virer avec un plot. Quoi? Quoi, zéro? Eh, j'y étais là. Oh, c'est pas possible. N'importe quoi. Bon, là c'est un petit dérapage qu'il faut faire, un petit 360. Ça fait 5% seulement. On va y arriver, hein. Mais il me donne pas d'indication. À faire ça. Attendez, ou alors faut pas que je... Non, là c'est n'importe quoi là. Ok. Ok. Ah bah pourtant j'ai eu un score plus haut en faisant n'importe quoi. Oh, 74%, c'est bon. Là, j'étais bon. Ok, alors attendez, c'est quoi ça? Bouquet final. C'est quoi? Donc j'ai un virage à 90 à faire. Ouais, virage à gauche. Bon, allez, on va juste faire celle-là. Bah, c'est bon. Ah oui, l'ARS, ok, alors on va hop, va quitter, mais là on a fait 3 missions, on a en plus rencontré Michel, on a eu la petite cinématique et tout qu'il faut, on va juste sauvegarder en face.
tranquille. Et là, le prochain truc, c'est les Hers. Là, donc ok, donc on est d'accord. Donc là, en gros, merde. Donc je dois arriver au bout du parcours. Oups, quel con, j'ai appuyé sur entrée. Je dois arriver. Mais non, c'est pas ça que je veux. C'est celui-là. Parti. Hein? Mais quoi? Faut pas que je touche un plot. ~60%. Dommage. Ok. Donc ok. En gros, je dois accélérer et là, je dois. Ok. En gros, je dois lâcher l'accélérateur dès que. Je dois lâcher l'accélérateur juste après l'air. Oh, ça ramouille! Ça ramouille! Mais pourquoi? Pourquoi? Parfois, quand je touche des plots. Voilà, là j'ai touché un plot terminé. Il m'a jeté la mission. Alors que parfois je fais des cartons et puis. Tu déconnes, j'ai pas été assez loin, mais là c'était bon. Bon, d'accord, ok. Là, je me suis plutôt bien démerdé, je trouve. Oui, tiens, prends ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tour de chauffe. Oh putain, je dois faire deux fois 180 degrés. Ouais, sur la gauche. Quoi, 5 tours? Ouais, non, mais vas-y, arrête tes conneries. Ça y est, là, dès que je suis à l'arrêt, terminé, quoi. Mais va... Non, j'ai pas commencé à être vulgaire maintenant. Alors là, la caméra est partie en couille. Hein. Là, allez, hop, merci. Quoi? Encore un... Va au diable. Pourquoi tu t'es arrêté? La voiture s'est arrêtée, j'ai rien demandé. Enfin, j'ai freiné un peu, mais elle s'est quand même arrêtée, quoi. Ok. Non, mais... Je suis pas limité en temps. Donc 2 sur 5, allez. Hop. T'as sérieux? Je peux pas passer le permis comme tout le monde à prendre les panneaux, apprendre à faire un créneau pourri et puis terminer, quoi. Non, là, je suis obligé d'apprendre à faire des dérapages. Putain, le jour où j'ai fait un dérapage, je me suis fait engueuler à l'auto-école. Aucune logique. J'aurais dû leur dire ça, tiens, à l'auto-école. Bah, sur cet endroit, c'est comme ça qu'on apprend à conduire. Mais vas-y, le diable.
C'est n'importe quoi, Bon, j'ai la caméra la plus loin possible. Allez, fais pas n'importe quoi. Oh non, mais vas-y, j'ai touché un plot. Oh putain. Putain, tu touches un plot, c'est game over, quoi. Là, non, par contre. Ah, puis 10% de pénalité par plot, ouais. Ah, ça pardonne pas, les plots. Là, je gère. Bon, j'ai 10% de pénalité, 20% de pénalité. Dernier tour. Oh putain, non, il en reste un. Oh l'arnaque. Oh l'arnaque. Bah oui, moins 100% de dégâts. Bah oui, du con. Putain. Je pensais que c'était fini, moi. Moi, j'avais lâché les commandes et tout, enfin. Je te jure. Oh non mais... Mais non, allez. Fais pas le con René. Ouais, dernier tour, allez, si tu veux, allez, calme-toi. Vas-y, j'ai frôlé le plou là. Vas-y, moins 60. Score final 4. Putain, les deux premiers tours étaient nickel, hein. Rien à dire, mais... Et ça, si c'est pas de la précision, ça... Diable. Je crois que si je débloque toutes les voitures, en fait je peux m'acheter le concessionnaire, mais j'ai accès à des courses en plus, j'en sais rien. Des missions supplémentaires ou des trucs comme ça. Bon, alors, par contre, faudra qu'on me redonne la définition de tour de chauffe, parce que tour de chauffe, il n'y en a qu'un. Vas-y, hop, mur. Allez, hop, c'est bon. Voilà. Ok, je me suis mis le sel tout seul. Je me suis dit qu'on allait faire un truc cool, des bagnoles et tout. Et je me rends compte qu'en fait, ben, je sais pas comment ça se fait. J'ai l'impression que la difficulté est différente par rapport de... J'ai l'impression que les commandes sont plus pourries que sur l'ancien jeu. Enfin, je sais pas. Dans mon souvenir, le truc d'auto-école, je l'avais fait les doigts dans le nez. Et pourtant, je m'estime être meilleur joueur quand j'étais gamin, quoi, enfin... Ils ont revu la difficulté à la hausse, là-dessus, hein. Bon, on réessaye une dernière fois. Mais non, c'est bon, ça, je sais le faire, je vais pas le refaire. Allez, on va essayer à droite, tiens. C'est bon, allez. Bon,
Là, c'est la période du jeu, la période du sel, en gros, hein, parce que, bon, là, il y a l'émission d'auto-école, c'est facultatif, mais voilà. Et il y a les avions, c'est de la merde en jeu. Bon, ben allez, quand il faut y aller, il faut y aller. Au pire, je les passe hors caméra. Si ça prend trop de temps. C'est vous qui m'êtes rentré dedans là, monsieur l'agent. Il y avait priorité à droite. Bon ça, le feu rouge, je l'ai pas vu, le feu rouge. Bon. Non, attention, il n'y a pas d'autre moyen d'y aller que de passer par le pont de San Francisco. Il y a d'autres moyens. On va y aller ensemble, on va se péter un peu en bateau, tout ça. On va se refaire le trajet ensemble. Du bateau, on en a très peu fait. Bon, le bateau, il prend l'eau, mais c'est à part ça. Voilà. Ah non, mais au niveau des graphismes, l'eau est très belle, hein, je dis rien. Hein. Allez, on se retrouve à l'aéroport. Ça va être long. Allez, à tout de suite. J'ai pas envie. Clairement, les avions, j'ai pas envie, quoi. Mais apparemment, c'est obligatoire. Parce qu'à mon avis, il va me falloir le... Ouais, c'est comme ça qu'on va déverrouiller le jetpack ou quelque chose comme ça. Get you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clear. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Oh, je le sens tellement mal, mais je le sens tellement mal. Je vous jure. You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. Hey, and that thing, you look like an enthusiast. The U.S. Air Force is less likely to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said less likely. If you did as many amphetamines as these guys do, you'd be lucky enough to shoot mais, anything. Mais non, move. Mais non, mais oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Au revoir.
C'est ça, compte là-dessus, allez, je me tire. Putain. J'arrive même plus à décoller. Pas possible. Oui, allez, j'ai abandonné l'avion. Allez, affiche-le-moi. On recommence. C'est tellement la merde à contrôler les avions. Autant les véhicules, ça va. Autant les avions, putain, les mecs. Vous avez fumé quoi lors du contrôle des avions? À mon avis, il faut que je décolle tout le monde. Non, c'est pas la peine, je faisais pas. You sure this thing is safe? Allez. I can see daylight through the floor. Hey, that thing, you look like an enthusiast. The U.S. Air Force is less likely to shoot you down. Cool. Well, what's the problem then? I said less likely. If you did as many amphetamines as these guys do, you'd be lucky not to shoot anything that moves. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll snap at the earth, Carl. Snap at the earth. Quoi, la barre de visibilité? Shit, it's been spotted. What that mean? It means they'll send something in the area to go check you out. Bob, you're sick. Mais comment j'ai pu me faire repérer? J'arrive même pas à décoller. Troisième fois. Après, je sais pas comment on va se démerder, mais je sens que le jeu, je vais le désinstaller. Quoi, il va, je sais pas, il va passer au broyeur de fichiers. Enfin. Mais pourquoi je décroche? Bah quoi, la barre de visibilité? Bah oui, bah quoi, parce que je suis trop haut, c'est ça que j'ai compris. Ah non, faut que je sois plus haut que ça. Ah non, 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 ok, d'accord, oui, non, je suis trop... On verra bien, hein. Bien, moi j'essaye déjà, c'est de survivre. Ils ont pas l'air de m'attaquer. Je sais pas quelle distance je dois parcourir. Ok. Non mais vas-y, pas de soucis frérot.
Oula, 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 oula. Mais quelle idée de me mettre des anneaux. Celui-là. Pardon. Quoi? Non. Non, 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 je conteste. Monsieur l'arbitre. Je demande l'arbitrage vidéo, là. Oh non, mais t'es sérieux, putain. J'ai raté. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je suis passé dedans. Vous êtes tous témoins. Je suis passé dedans. Un peu haut, mais je suis passé dedans. Hein. Là, bien sûr, il va me faire chier parce que je vais prendre de travers. Vas-y, va au diable. Va au diable. Les avions, oui, le sel, il est beau, le sel. C'est des avions qui tournent au vinaigre. C'est pas du kérosène qu'il y a là-dedans, c'est du vinaigre. Bon, allez. On recommence. Une dernière fois avec vous et après on se sert. Hey Carl, you gotta stay nice and low on your approach or you'll pop up on the radar. Use the cannon. Shit, you need to see? I can see play like the floor. Yeah, that thing, you look like an enthusiast. The US Air Force is less likely to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said less likely. If you did as many amphetamines as these guys do, you'd be lucky not to shoot anything that moves. Oh shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Voilà. On recommence. Ça continue encore et encore. Que le début, d'accord, d'accord. Aïe, 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 aïe. On va y arriver, hein. On va y arriver à cette merde. Hey Carl, you gotta stay nice and low on your approach or you'll pop up on the radar. Use the canyon as cover. You sure this thing is safe? I can see daylight. Mais non, mais... Yeah, that thing, you look like an enthusiast. Encore une fois. Ah, c'était quoi, c'est déjà cette musique? Ah, je sais plus. Groupe de métal. Ah bon. Allez, d'accord, ok. C'est parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez, là, normalement, c'est bon. And that thing, you look like an enthusiast. The US Air Force is less likely to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said less likely. If you did as many amphetamines as these guys do, you'd be lucky not to shoot anything that moves. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Snap of the earth, Carl. Snap of the earth. Been spotted. What that mean? It means they'll send something in the area to go check you out. Watch your six. Ah ouais. Ok, là ça touche.
Mais pourquoi j'ai l'impression que je suis très mal barré? Je suis qu'un petit Renoir du gangsta de Gross Street. Foutez-moi la paix avec vos avions de merde. Putain. Non mais pourquoi tu fais un looping toi? Ok, j'ai la direction qui est morte en fait. En fait, vu que je suis abîmé, l'avion il répond à mes commandes mais fois 1000 quoi. Alors ça, c'est ce que j'appelle du très mauvais, très mauvais. Ok. Je passe cette mission hors caméra et je vous jure que je vais cheater comme un porc parce que j'en ai ras-le-bol. Bon, mission réussie, j'ai triché comme un porc et je pense que je vais continuer. Donc là c'est simple, hein, il fallait que je passe dans l'anneau rouge et que je revienne. Hein. C'était tout con. Hein. Franchement. La mission serait tout con si les contrôles de l'avion n'étaient pas aussi pourris. Honnêtement, bon, je sauvegarde, on voit juste les missions précédentes. Je crois honnêtement, ce qu'on va faire, c'est que les missions. En fait, je vais juste filmer quand il y a une cinématique. Et puis, ben, quand je galère avec les avions, ben, tant pis, vous aurez pas ces passages-là. De toute façon, c'est pas intéressant. Sauf si vous aimez me voir rager. Et ça, je sais qu'il y en a certains à qui ça va plaire. Mais clairement, de la merde. C'est de la merde. Les avions dans le jeu, c'est de la merde. Ah, what's Torino up to now? I'm feeling a little exposed here. Ah, celle-là, elle est cool. Celle-là, elle est cool, l'émission. Attendez. Alors, juste un truc. Ouais, allez-y. Bon, lui, il a son arme à travers du corps. What's your take on this? Damn! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and everything else crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? On s'en bat les couilles. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Stop. 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 Voilà. Alors, juste une minute. Ok. J'ai désactivé tous les cheats que j'avais activés pour la mission précédente. Et là, on est reparti. Alors, allez. J'arrive trop tard. Ok. Juste parce que j'ai mis le jeu en pause, j'ai pas pris assez de vitesse. Bon, on recommence. Il y en a pour une seconde. Non, objectivement, c'est possible ou pas ?
Non, non, je pose vraiment la question, c'est possible ou pas? Parce que oui, c'était possible avant, mais avant l'avion n'allait pas si vite que ça hein, pour décoller. Dans la version précédente. Je m'en souviens très bien. C'est du caca, c'est de la merde ce que vous nous avez fait la Rockstar Games. Est-ce que vous avez testé vos putains de missions avant de les proposer aux joueurs? D'accord que là. Bon, allez, on recommence. Sans vous. Je vous dis quand j'arrive. Je vous reprends quand j'aurai réussi à monter dans ce putain d'avion. Putain, je me faisais une joie de rejouer à ce jeu. Honnêtement, quand on m'a dit, ouais, ils sortent un GTA remasterisé, j'ai dit, oui, génial, c'est trop cool. Ouais, tu parles, le sida, ouais. Le sida, c'est plus cool que ça, putain. Bon, on va essayer une fois ensemble. Allez, allez, comme ça, j'arrive, comme ça, j'arrive, comme ça, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Mon gars, quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es content? Quoi? Quoi? Non! T'es... Non! Juste non! Mais juste non! Oh putain! Non! C'est pas possible! Ce qui vient de se passer là, c'est pas possible! On est d'accord, c'est techniquement impossible ce qui vient de se passer! J'étais dedans! J'étais putain de dedans! Fallait pas que je sorte de la moto dedans quand même! On va décoller. Non, hop, terminé. Allez, hop. On va essayer juste de la refaire ensemble. On va essayer juste de la refaire ensemble. Mais j'étais dedans. Je suis désolé, j'étais dedans. Demande à ta mère, j'étais dedans. Pardon. Pardon, je m'énerve. Mais non! Mais... À tout de suite. C'est bon, je suis dedans. Cette fois-ci, je suis dedans. Ok, alors juste une minute. J'ai pas record. J'ai pas record, je croyais que... Oh putain, faut que je check mes records. Ou alors mon disque dur est plein. Il est plein de sel. Bon écoutez, j'arrive là-bas, j'ai fini la mission, ça m'a ramené 20 000 et puis bon bah, à tout de suite. Oh purée, donc ouais, donc ok, en fait le record a planté en fait, je vous ai, quand, au moment où je vous ai dit une minute, j'ai coupé le record juste une seconde pour, et j'ai mis en pause pour répondre à un message sur mon téléphone, et en fait quand j'ai relancé le record, il s'est arrêté tout de suite et a créé un fichier corrompu. Frappe, ça buguait, sur ce coup là, je sais pas pourquoi, je sais absolument pas pourquoi il a bugué. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, donc ce qui s'est passé juste après, que je vous ai dit une minute. Donc j'ai mis en pause, j'ai répondu à un SMS, j'ai relancé le jeu, et j'ai relancé le record. Je l'avais relancé. Et il s'est arrêté quasiment, en fait, je l'ai pas vu, mais il s'est arrêté dans les 3 secondes d'après, quoi. Ce qui fait qu'il a créé un fichier corrompu. Mon disque dur est pas plein, hein.
Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Enfin bref, voilà. Donc en fait, il fallait remonter l'avion, détruire les trois gars qui étaient là au couteau, parce que fallait pas tirer dans l'avion, parce qu'il y avait des charges explosives et que ça pouvait nous tuer, et blablabla. Voilà, bref. Donc j'ai tué tout le monde au couteau. Il y avait 4 ou 5 gus. Enfin, voilà, pas grand chose de dramatique non plus. Je me les suis fait assez facilement. J'ai posé une charge explosive, même j'ai posé les 5 charges, enfin les 4 charges explosives que j'avais sur moi. Et au moment où j'ai sauté en parachute, l'avion a explosé derrière moi et puis terminé quoi. Enfin, fin de la mission. Et là, ben voilà, j'arrive tranquillement au sol. C'est con que le record est planté. J'explique pas pourquoi. J'arrive pas à expliquer pourquoi ça a planté. Bon. Ah. Hey. Tiny bald idiota. Catalina. Hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more. Well, hey, that's just hello. Hey, ties to me. On a tous une ex un peu tarée, mais alors lui, il a décroché la perle, je crois. Entre 20h et 6h, bon allez, je retourne sauvegarder un coup et puis on va enquiller la suivante. Torino, where are you? Bog devil, CJ. True! How are you? In better shape than you, badass. What? Hey, you watching me? Can't talk now. I need your help for something special. Come back here when you've lost some weight, Patso. I'll be waiting. Hey, man, what the... Dang! That is vraiment aveugle, mec. That chump. Quoi? Faut vraiment que je perde de la graisse? Bon, bah je vais activer un shit pour ça. Je reviens. Bon, ok. Je me suis mis 100 points de graisse simplement. Et normalement ça devrait être bon. Hein. Hail, fellow. Well met. Namaste. Peace, Carl, brother. Hey, Troop, where you at? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Passing through life, same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We paid them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A dream is about to leave. It can explain
Better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. Elegance does not even touch it. Hey, True, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude! Elle vole sa bécane. Je sais pas si vous avez vu. La zone 69. Oh non, ils ont renommé la zone en zone 69. Non, c'est un troll. La zone 51 en zone 69. Non mais 69 c'est fait exprès. Enfin, vous auriez pu choisir 42 par exemple. Ça aurait été un peu plus marrant. Enfin, ça aurait été plus... Bon. Oh génial, il m'a donné des... Bon, ok. Donc, visiblement... Ok, bon, allez, hop. Est-ce que j'ai compris, je peux en flinguer que deux. Ça va, je gère. Ouais, j'essaie de faire des têtes, mais en fait c'est pas obligatoire. Est-ce que je peux l'avoir à travers le grillage? Je sais pas. Non, je peux pas les avoir à travers le grillage. C'est un grillage par balle. Oh mon dieu, c'est un grillage par balle. Pardon. Oui, ça n'a aucun sens, hein. Clairement. La caserne sans problème. S'il a bougé. Oh lui aussi. Je vais regarder un peu aux alentours, mais. Toi. Là-bas je peux avoir le. Il me semble avoir lu que je peux en démolir plus de deux sans déclencher l'alarme. Mais... Bon, alors j'ai bien un avantage, c'est que maintenant ils sont tous repérés. Tiens.
Oh putain, ils scannent l'extérieur maintenant. D'accord, j'aurais peut-être vraiment dû en laisser pour démolir Cody. Et le reste monter à la... J'essaie de la voir. Il aura survécu. J'essaie de monter le mirador. Il n'y a plus personne sur ce mirador là. Ah mais merde. Voilà quand même. J'arrive à repérer. En plus c'est mon... Ah oui. Genre ils étaient tous pointés sur moi les trucs. Putain la vache, il avait eu sa promo de la semaine lui. Je vais monter davantage. Là-bas il n'y a personne. Okay. J'ai réussi à l'avoir. Et on, je pensais avoir tiré trop proche, mais le temps que la balle arrive, j'ai réussi à le descendre là-bas. Il est beaucoup trop loin, j'arriverai jamais là-bas. Bon, on va se rapprocher. Oh putain! Ah ouais! Ah ouais, à ce point-là! Ok. Ah non, mais d'accord, ok. Ah non, moi je pensais que oh, je prenais mon temps, moi. Je prenais mon temps. D'accord. Bon. Allez, faites-moi ça. Searchlights to tracking mode.
Oh putain, le mirador qui me repeat, lethal force. Lockdown protocols initiated. Blast doors and security tower isolated.